De joie et d'amour avec eux, avec chacun de vous, leurs proches, leurs amis et leurs familles. Le mariage est une institution divine fondée par Dieu lui-même. Un engagement sacré entre un homme et une femme. La Bible nous rappelle l'importance de cet engagement dans l'Ephésiens 5, le verset 31, où il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. » Aujourd'hui, nous sommes témoins de l'amour, de l'engagement que le frère maçonnet et la sœur Floris prétend partageant et sont choisis de marcher ensemble sur le chemin de la vie, guidés par leur foi et leur amour mutuel. Comme nous le rappelons dans 1 Corinthiens 13, le verset 4 au verset 7, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne se vante point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point de mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout et supporte tout. Nous remercions Dieu ce soir pour ce merveilleux jour. Et ce soir,
nous allons dans la dernière annonce du mariage. Et le frère Marcelin Félix et la sœur Florise Printemps. Je demande que le frère Marcelin et la sœur Florise demeurent moi, s'il vous plaît. C'est ma dernière annonce. We're going to ask Sister Floris Printer and Brother Marcelin Félix to please stand up. And that's going to be my last annonce as a pastor. Et si quelqu'un ici connaît aucun empêchement pour que ces deux personnes soient liées ensemble, qu'il déclare maintenant. If there is anybody who knows something that can stop this beautiful and amazing event tonight, please stand up and say what you know. Et sinon, ce sera fermé pour jamais. Okay? And if you knew something and then you left this opportunity after tonight, you will have to buy a tape to put in your mouth. You know what I mean in Creole, right? Okay. But we're going to keep it classic, right? Amen. Et non. Le frère Marcelin Félix voulez-vous prendre la sœur Florise Printemps pour votre épouse de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous l'aimer, la soutenir, l'honorer et la garder dans la maladie, dans la santé, renonçant toute autre femme? Voulez-vous s'attacher à elle seule tant que vous vivrez tous deux? Oui, pasteur. Passez. La sœur Florise Printemps, voulez-vous prendre cet homme, le frère Marcelin Félix, pour votre époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous l'aimer, l'honorer et le garder dans la maladie, dans la santé et renonçant à tout autre homme? Voulez-vous attacher à lui seul tout autant que vous vivrez tous deux? Oui, parce que... Amen, amen. Parliez. Vous aussi, étant parents, étant membres de famille, étant amis, donnez-vous votre bénédiction à cette union. L'Assemblée est priée de se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Nous lisons le verset 22 au verset 33. Je lis pour vous. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ,
Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes les choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de le sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous, sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire place à notre bien-aimé pasteur Paul Réginal, qui va nous conduire dans un chant. La chanson est de ce que nous avons chanté le numéro 43. Dans cette mélodie, quand la fidélité au Dieu, mon Père, chez toi, nous, votre grâce de chanter. Quand la fidélité au Dieu mon Père, chez toi ni le grâce du chant, je m'en tes compassions ne sont pas
Merci, nous capable chita et Konya nous fait place avec un groupe qui va présenter un morceau sous la direction de notre sœur Véronique. Les démons mariés, c'est pareil qui va rien bénisser parce que Yorini pour la vie et s'est rendu. Tout le monde a fêté. Parce que lui, ok, Marina qui est debout à la table, ok?
Amen. What we know about Christ. Amen. Back to the day. Back to the day. Okay. There you go. Yes. Amen. Père, vous en haut. Qu'est-ce qui va passer? Belle d'attente. Yeah! I'm going to do it. That's it. C'est un bagage. La même chose. Moi, je vous belle. Et la Bible a dit que nous avons un moment qui est réellement important. C'est le moment où les gens vont aller prendre feuille en s'engageant. La parole de Dieu dit dans Proverbe 20, le verset 25, il dit que c'était bien pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Ça fait que, parmi eux, c'est pas des petits mondes, c'est des glorieux. Et engagement sacré, le Père Soya, parmi eux, le Seigneur vient vous demander une compte pour engagement sacré. Alors, si ça fait la parole de Dieu, ça, mon Dieu, il dit, l'homme pas capable de séparer. Ça fait nous dire qu'encore, nous devons réfléchir son façon avant que nous fassions ça qui pense ensemble. Et dans le moment ça, pas de faire ma sœur. N'est-ce pas, j'ai dit, vas-y, c'est ça. Nous te disons merci et fais ma soeur. Allez, bidon, appelez-moi, s'il vous plaît. Encore. Il faut s'arrêter. Quand on entend du bas, elle va vous bien aimer? C'est ça. Et bien. Moi, je vais cru dans ma soeur. Bon cœur, vous devez vous entendre. Et bien. Dit que moi-même, moi-même, prends Florise printemps. Moi, prends Florise printemps. Pour épouse-moi. Pour épouse-moi. Pour garder où. Pour garder où. Non, jour à venir où. Jour à venir où. Pour meilleur. Pour meilleur. Pour pire. Pour pire. Non, richesse. Non, richesse. Non, pauvreté. Pauvreté. Non, maladie. Maladie. Comme dans la santé. Santé. Pour me rêver, pour me chérir, jusqu'à ce que bon Dieu sépare nous. Jusqu'à ce que bon Dieu sépare nous. Selon l'ordonnance de Dieu, selon l'ordonnance de Dieu, sous ça m'engager foi. Sous ça m'engager foi. Applaudissez le Seigneur. Moi-même, Floris, prétend. Moi-même, Floris. Moi, prends pour épouse-moi. Épouse-moi, frère Marcin. Pour garder où? Dans le jour à venir. Pour meilleur. Pour pire. Non, richesse. Non, pauvreté. Non, maladie. Dans santé. Pour me réveiller, pour me chérir, jusqu'à ce que l'amour sépare nous. D'après cette ordonnance de Dieu, cette ordonnance de Dieu, sous sa langage foi, moi. C'est sous sa langage foi, moi. Applaudissements. Et nous demandons, qui est à nous, qui est à nous, qui ok, oh, comment est-ce que les bagues là? Personne n'a encore fait sa bague. Seigneur, mon Dieu, nous consacrons ces derniers. Que ta puissance, ta grâce et ton autorité déposent sur nous. Que nous voyons Max
Cher Seigneur, mon Dieu, pour le frère Vincent, pour la soeur Floris, quel que soit à côté au passé, tout le monde va voir ces deux personnes qui sont liées ensemble et personne n'a pas le droit de les aimer. Seigneur, bénis ces agneaux. Bénis ces agneaux. Et bénis la soeur Floris ainsi que le frère Vincent. Dans le nom de Jésus, que nous devrions qu'il vit et qu'il règne au siècle des siècles. Amen. Dans l'unité de cœur, une brillante
applaudis pour nous, on va bien. Après l'autorité que le Seigneur confie à nous-mêmes comme ministre de l'Évangile, nous déclarer frère ma soeur et la soeur Florise, madame, monsieur et madame, à la gloire de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Applaudissements. Elle a la paix mondiale, non? Amen! Le pasteur? Non, il va regarder.
Elle pensa à dire ici. Chère fille, définie comme étant l'union indissoluble de l'homme et de la femme, le mariage a été considéré un engagement sacré. Venant de Dieu, le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. En ce pourtant attendu, je ne trouve l'expression pour exprimer mon assentiment à l'égard de M. Marcelin et Mme Floris, qui viennent de frayer une nouvelle voie dans leur vie. Chère fille, en quelques termes, faut-il encore vous remercier de m'avoir doté pour l'accomplissement de cette grandiose tâche d'une honorable commère dont je suis fier. Cette date du 22 juin 2024 restera cèdre à jamais gravée dans vos esprits, date à laquelle vous avez pu réaliser vos aspirations en vous, orienter résolument vers ce noble but. La matérialisation du rêve qui hantait vous est un idéal, à savoir notre union légitime par devant Dieu et par devant les hommes. La réalisation chrétienne de deux en une seule chair de la parole sacrée. Mes chers filles, je m'en voudrais tant en mon nom personnel qu'en celui d'honorable commère de ne pas attirer l'attention sur la signification du mariage, les multiples détails de la vie conjugale et les problèmes auxquels vous aurez à faire face. Avoir un homme ou une femme, c'est une chose courante de vos jours. Mais avoir un foyer heureux construit sur des bases solides est plutôt difficile et même rare. Aujourd'hui, bon nombre d'hommes et femmes laissent de petits malentendus creuser des abîmes entre eux. Quant à vous, faites preuve de maturité. Ne vous laissez pas dépasser les différents événements quotidiens. Désormais, cherchez plutôt en toute situation à vous maîtriser plus qu'auparavant. Ma chère Floris, souvenez-vous de cette prescription de l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu, à propos du mariage. Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Car le mariage, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les aussi doivent être à leur en toute chose la soumission
dont il réclame se résume dans le respect, l'obéissance et la compréhension mutuelle. Mon cher pasteur, vous devez vous efforcer pour faire plus de plaisir à votre femme. Plus de plaisir à votre femme. Soyez affectueux, mon cher, envers elle. Car il n'y a pas d'âge qui protège un homme. Les manifestations de tendresse envers sa femme, acceptez-la comme elle est, sans prétendre la dominer. Car Dieu l'avait créée non pour être votre marchepied, mais pour devenir votre compagne. Et si vous apprenez à aimer votre femme, en tant que personne et non que simple représentant du sexe féminin. Votre mariage ne devra pas être une prison ni un enfer, mais un véritable univers où vous pouvez percer le secret de la vie conjugale. Ainsi, réussir là où tant d'autres ont échoué. Je vous plaisir en terminant à vous convier, ma chère commère, chers parents et amis des conjoints aimables. Invitez à lever vos verres avec moi à la santé et au bonheur des époux, monsieur et madame Marcel Félix. Merci.